Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Hot, Hot, Hot. Alors, c'est une chorégraphie de Youn Andrizal et aussi de Ara. Alors, c'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur 4 murs de niveau débutant intermédiaire. Il n'y a pas de transition, par contre, il y a 2 restarts sur le 3e mur et le 7e mur. On fait les 16 premiers temps et on fait un restart. Alors, on commence avec première partie, pied droit, 2 pas de marche, 1, 2, on pivote un demi-tour à gauche et on recule 2 pas. 3, 4, on balance en arrière. Donc, on part du pied droit en arrière, sur place, pied gauche. Alors, si on reprend, même chose avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4, on balance en arrière, 5, 6. Rendu ici, les prochains pas, ça va être plus facile si je me place face au mur avant. Donc, on a balancé en arrière ici, là, 5, 6. On avance le pied droit légèrement, sans mettre de poids. Et on lève les talons. Donc, on lève et on dépose. On recule ici 5, 6, 7 et 8. Alors, si on reprend du début, pied droit, 7, 8, 1, 2 demi-tours, 3, 4, on balance, 5, 6 en avant, 7 et 8. Deuxième partie, on est encore une fois face au mur arrière. Plus facile si je me place face au mur avant. Alors, ici, on a balancé 5, 6, 7 et 8. On balance de côté. 1, 2, chassé croisé, 3 et 4. On balance à gauche, 5, 6, chassé croisé, 7 et 8. Alors, on reprend du début.
La deuxième partie va être sur le mur, face au mur arrière. 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième partie, encore une fois, on est face au mur arrière. On va se placer de l'autre côté, ça va être plus facile. Donc, si je refais le chassé croisé de la deuxième partie, 7 et 8, rendu ici, la troisième partie, on part du pied droit, on recule en prenant quart de tour à gauche. Donc, 1, on lève le genou, 2, on pivote un demi-tour sur le pied droit, demi-tour à gauche, et on dépose en avant et on lève le genou droit. Alors, si on refait le chassé croisé de la deuxième partie, là, donc ça fait 7 et 8, 1, 2, 3, 4, et on fait deux lockstep en avant, 5 et 6, 7 et 8. Alors, on reprend encore une fois le 7 et 8 de la deuxième partie, 7, 8, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Alors, si on reprend du début les trois parties, pied droit, 7, 8, 1, 2, 3, 4, on balance, 5, 6, 7 et 8 de côté, 1, 2, 3 et 4 de côté, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Quatrième partie, la dernière partie, on va pivoter un demi-tour à gauche, donc on va en avant, pied droit, sur place, pied gauche, et on fait deux pas en avant, 3, 4. Et rendu ça, on va pointer en avant et déposer, pointer, dépose, pointer, dépose. Mais dans le fond, en même temps, il faut faire des coups de hanche, donc on fait 5 et 6, 7 et 8. Alors, si je le fais face au mur avant, peut-être plus facile, là. On pointe en avant, droite, droite, gauche, gauche. Hein? Deux coups de hanche. Alors, si on le compte, 5 et 6, 7 et 8. Alors, si on reprend la quatrième partie, 7, 8, 1, 2, on marche, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on repart du début, on fait les quatre parties, voir comment ça va. Pied droit, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8 de côté. 2, 3 et 4 de côté. 6, 7 et 8 quarts de tour. 1, 2 demi-tours. 4 lockstep et 6, 7 demi-tours. 1, 2, on marche. 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Et on repart du début. 1, 2, on pivote un demi-tour à gauche. Donc, la même chose. Alors, pour le petit restart, dans le fond, ce qu'on fait, le troisième mur, on est face au mur arrière et on fait les deux premières parties. Donc, on part en marchant. 1, 2, demi-tour. 3, 4, on balance. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Restart. 1, 2, on repart du début. Même chose, le septième mur, on va être face au mur de gauche et on va faire encore une fois les deux premières parties. 1, 2, 3, 4, on balance, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et restart, on repart du début. Pour la finale, on est face au mur avant et on va faire la deuxième partie, on balance de côté, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, puis ici on fait un pas de côté avec le pied droit et on fait comme un genre d'explosion avec les mains parce que la musique fait un petit peu ce... un genre d'explosion. Okay? Donc, on fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9 pour la finale. Mais c'est une finale très personnelle. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Hot, Hot, Hot. It's choreographed by Yun Andrizal and also by Ara. It's a 32 count, 4 wall, high beginner level line dance. So there's no tags, but there's two restarts on wall 3 and wall 7. You only do the first 16 counts and you do a restart. So let's start with section 1. We start with the right foot, two steps forward, 1, 2. Then you will do a half left turn pivot as you go back twice, 3, 4. Then you do a back rock starting with the right foot, so back, recover on the left. So let's do these particular steps of section 1 with the counts. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for the next steps, it will be easier for you guys to follow me if I do them facing 12 o'clock.
So you did the back rock with the right foot, 5, 6. You go forward with the right foot without putting the weight on it, and you will do a heel bounce. So you put your heels up and you drop them. So you rock back, 5, 6, 7, and 8. Okay? So let's do section one with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Section two, we're facing 6 o'clock. It will be easier for you guys if I do the steps facing 12 o'clock. So you did the back rock, 5, 6, 7, and 8. So you do a side rock starting with the right foot, so side recover, and you do a cross shuffle, so 3 and 4. You do a side rock starting with the left foot, 5, 6, and one more cross shuffle, 7 and 8. So let's do section one and section two with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. So section three, again, you're facing 6 o'clock. It will be easier for you guys if I do the steps facing 12 o'clock. So at the end of section two, you did the cross shuffle, 7 and 8. So for section three, you start with the right foot, you go back, but you turn a quarter turn to the left, so you go back 1, and you do a hitch with the left foot, and we'll do a half left turn pivot on the right foot as you go forward with the left, and you do one more hitch, but with the right foot this time. So let's do the end of section two, the cross shuffle, 7, 8. 7 and 8, 1, 2, 3, 4. Then you will do 2 lock forward shuffles. So step, lock, step, step, lock, step. Okay, so let's do the end of section two, the cross shuffle, and section three with the counts. 7, 8. 7 and 8. 1, 2, 3, 4. 5 and 6. 7 and 8. So let's start from the top, section one to section three, okay? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8. Section four, the last section, we're facing 9 o'clock. We'll do a half left turn pivot. So you go forward, recover on the left foot, then you do 2 steps forward, 3, 4. Okay, so let's do only these particular steps of section four, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Then you will do a forward touch starting with the right foot, forward touch, and you drop the foot in place. The same steps with the left, forward touch, and you drop the foot in place. And at the same time, you have to do a double hip bump. So it's 5 and 6, 7 and 8. If I do the steps facing 12 o'clock, so you go forward, you touch forward, 5 and 6, 7 and 8. Okay, so let's do section four with the counts, okay? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8. And then you're back to section one on wall two, so 2 steps forward, half left turn pivot as you go back twice. So let's do all the sections just to be sure everything's all right. So you start with the right foot, 2 steps forward, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8. And back to section one. So for the restarts, you're facing, the first time you're on wall three, you're facing 6 o'clock. You do the first 16 counts and the restart. So let's try them together. So you walk 2 steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. And you do the restart on 12 o'clock. So the second time, it's on wall seven, you're facing 9 o'clock, the first 16 counts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. And the restart facing 3 o'clock, the same steps
as you do usually, okay? So for the ending, we're facing 12 o'clock. We do section two. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And then it's a very personal way to end it. I go sideways and I do like an explosion with my arms, okay? So you do like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9, like an explosion, okay? So that's a very personal way to end it. So I hope you enjoyed learning this dance with me. Take care and stay safe.